Conseil courtier avait plusieurs institutions dans le temps. C'était des projets. Donc, des projets. Et j'avoue le cas de IDH. Je m'étais servi confident que je donne, je ne sais pas si vous le savez très bien. C'était un projet qui devait être initié par le pouvoir de colère, financé par le Japon, si j'ai bonne mémoire, qu'il a détourné lorsqu'il était à Pimentu pour faire l'IDH. Maintenant, s'il a formé les gens sur un autre projet, nous qui sommes allés déposer faire l'épargne, ce n'est pas notre argent qui va servir ces dépenses-là. Et pire encore, si le Conseil courtier informe les gens, peut-être il y a des mandats forfaitaires que les gens donnent. Ça ne peut jamais être gratuit. Sinon, j'allais former tous les deux volets. Ce n'est pas gratuit. Et ces mandats forfaitaires, lorsque je forme 20 personnes à 2 000 francs, et je forme 10 personnes à 4 000 francs, la même chose. La même chose. Donc, le Conseil courtier ne peut en aucun cas dire que j'ai formé les gens, c'est pourquoi il ne faut pas me poursuivre. Il faut qu'il aille dire ça à la justice. C'est la justice qui doit le dire. Il faut qu'il donne ses arguments, ses hypothèses à la justice. Monsieur le juge, l'argent que vous demandez que j'ai détourné a servi à former les togolais. Le juge va voir à la lumière de la loi en vigueur s'il faut laisser le prescription ou pas. Mais si on ne va pas à la justice et on vous dit que le prescription a investi dans l'humain, il a voulu investir dans l'humain. Mais finalement, il n'a pas investi dans l'humain. Les gens sont morts.